C'est là où Venise, frères et sœurs, je veux croire que vous allez bien. Nous sommes actuellement en voyage missionnaire à Pointe-Noire, juste communier avec les frères, visiter les saints. Et aujourd'hui, nous sommes venus visiter Rock Séculaire Tabernacle, une église des bandes, chez le pasteur Arcel. Et d'ailleurs, là, je vois, ça écrit là, quartier général Branham Tabernacle. Donc franchement, ici, c'est la vision. C'est le Branham Tabernacle, le quartier général. C'est Frère Joseph que les frères croient ici comme étant celui qui succède quand j'ai le ministère de Frère Branham. C'est vraiment beaucoup de choses. Et c'est, je suis émerveillé d'ailleurs par la taille du bâtiment. Vraiment, c'est bénissant. Donc nous allons rentrer à l'intérieur, visiter et avoir quelques minutes de causerie avec le pasteur Arsène. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, bon, là nous sommes à l'intérieur du bâtiment. Je suis venu aider un peu le frère Koukou qui est là. C'est l'administrateur. Le frère Branham dit s'il y a un ministère quelque part, quand le temps arrive pour que ce ministère-là puisse exercer, Dieu met les moyens. Amen. Et le frère Branham dit, si c'est Dieu qui vous envoie, c'est Dieu qui prendra soin de vous. Amen. Donc nous avons un ministère ici là de bandes. Amen. Ici dans cette église, on n'écoute que les bandes. Amen. Maintenant les bâtiments, ce n'est pas un miracle parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Ouais, donc jusqu'aujourd'hui, peut-être vous serez scandalisé ou quoi. L'église est fermée. On n'a pas, on n'a pas de culte. Mais les bien-aimés, comme connaissant déjà le pasteur Arcel, nous avons déjà enseigné sur l'importance des cultes des bandes. Donc nous avons nos cultes maison. On suit le programme de Jeffersonville wow. à la radio. Mais quand tu vois comme ça, nous avons des travaux que nous faisons ici. Avant le confinement, l'église n'était pas habillée comme ça. Donc nous faisons des travaux que nous avons pendant le confinement. D'ailleurs, je l'ai même rencontré le pasteur Arcel. Moi, ce qui me bénit, ce qui me réjouit, c'est une église qui écoute que les bandes, qui soutient le programme. Donc voilà quoi, c'est vraiment bénissant d'avoir ça comme ça. Ok, rentrez dans la l'église. Shalom, donnez-moi le téléphone, la prière, vous lisez la parole, car cette maison sera appelée la maison de prière. Ça, c'est la partie inférieure. Okay. Et rentre par là. Nous sommes dans une église des bandes, c'est vraiment bénissant. Dans la ville de Pointe-Noire. Nous avons deux balcons. Ok, avec l'administrateur de l'église, le frère Mouni. Waouh, on est là à 2 minutes. Vraiment une bénédiction. Ok, nous sommes au deuxième balcon. Le monde s'est ouvert à l'église des ventes. C'est la salle technique. Si je le comprends bien, nous avons commencé à suivre le culte depuis ici là. Ok. Suivre le culte depuis ici là, où tout sera contrôlé ici là. Ok. Les ordinateurs, les micros, tous les réglages, c'est par là. Ça passera ici là. Dans le technicien, c'est vrai, c'est là que je suis le culte depuis là. Ok. C'est une salle de dimanche. Okay. Si Dieu le voudra qu'on puisse ouvrir, le modèle sera de l'école du dimanche, le modèle de Branham Tabernacle. On n'a pas à être forcé de faire les choses, on ne sait pas ce que les frères font. Et voilà comment c'est cela où nous allons recevoir les bénédictions et recevoir un prophète.
Dieu bénisse. Nous sommes là avec le pasteur Arcel. Que Dieu bénisse, pasteur. Dieu vous bénisse aussi, frère Duc. C'est le pasteur de Rock Secular Tabernacle, l'église dont nous sommes. Et nous voulons quand même lui poser deux ou trois petites questions. D'abord, pasteur, Rock Secular, c'est quoi? C'est une église qui ne coûte que les bandes? C'est une église du groupe 2, du groupe 3, groupe 1, comme on dit? Frère Joseph a fait mention des trois groupes. Amen. Et le groupe 1, c'est le groupe qui écoute uniquement les bandes. Exactement. Nous sommes de cette église qui est dans l'arche de Noé, qui écoute la voix de Dieu tous les jours. Wow. Voilà le but d'Europe séculaire. Cette église écoute que les bandes. C'est une église des bandes. Waouh, c'est vraiment une bénédiction. Je suis excité, ému là, parce que le Seigneur a pourvu pour nous une église qui n'écoute que les bandes dans la ville de Pointe-Noire. Et vraiment, c'est une bénédiction. Mais pasteur, vous citiez Frère Joseph tout à l'heure. Qu'est-ce que vous croyez de Frère Joseph? Comment vous voyez la vision de Frère Joseph? Votre position là-dessus? Nous croyons, je crois que Frère Joseph est la continuité du ministère de William Marion. Wow. Frère Joseph, je crois qu'il est prophète. Il y en a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur Frère Joseph. Wow. Je crois qu'il est prophète et nous croyons à la vision de Frère Joseph sur l'écoute des bandes. Amen, amen. Le pasteur Arcel croit à la vision de Frère Joseph sur l'écoute des bandes. Il croit qu'il conduit le ministère de Frère Branham. Nous avons remarqué que l'église a été fermée. On ne sait pas si c'est juste à cause des chantiers ou vous avez fermé pendant la période de Corona. Je crois que le pays traverse une période très difficile où tout le monde est en agitation sur le virus. D'autres appellent ça le Covid, d'autres la Covid. Exactement. Mais Frère Manam dit que ce sont des démons. Exactement. Alors par rapport à la condition, j'ai trouvé que nous restions encore comme ça. Les conditions ne sont pas encore réunies. Voilà pourquoi les portes de l'église sont encore fermées. Et nous avons fait de nos maisons l'église des bandes. Wow. Les portes de l'église fermées, les croyants sont à la maison, ils suivent les bandes, mais selon quel programme? Vous avez un programme sur WhatsApp, vous donnez vos propres bandes à vos croyants? Non, le programme est celui de la voix de Dieu, le programme de Frère Joseph. Exactement. Nous avons la lettre de Frère Joseph tous les samedis, je pense, où il y a une prédication et tous les membres sont connectés à ce programme. Tout à l'heure, vous allez arriver à la radio, vous verrez aussi que la radio devient un deuxième élément par lequel l'Église peut être en contact avec le programme de Frère Joseph. Waouh! L'Église, ici, a une radio. Le pasteur Arcel également gère cette radio. C'est lui-même le DG de la radio. Et la radio ne diffuse que le programme de Frère Joseph, que les bandes. Vraiment, pasteur, c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci beaucoup pour le grand travail que vous faites pour les enfants de Dieu. Ok, Dieu bénisse. C'est la fin. Nous rentrons avec le pasteur Arcel. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.